Bien, salut à tous, c'est Spice en mode game et nous voilà donc pour un nouveau jeu. Donc ici c'est Pokémon version GEM sur PC évidemment puisque ce n'est pas une version officielle développée par AndyMK et toute son équipe. D'ailleurs je leur remercie les gars, vous faites du magnifique boulot. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un Pokémon qui réunit plusieurs versions en une seule. Et oui, le grand rêve de tous les joueurs de Pokémon. Alors, bien écoutez, nouvelle partie, oui, et pendant le déroulement. Alors attends, attendez. Tutoie, ouais, t'as vu. Rouge ou bleu? Rouge, toujours pris rouge, garderai sur ma... je vais rester sur ma lancée. Écoutez-moi cette musique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette musique, c'est la musique qui apparaît quand on lance Pokémon version rouge et version bleue sur Game Boy Color. Et c'est un Nidorino qui se bat contre un Fantominus. Ça m'est revenu. C'est un Fantominus, il me semble. Vous regarderez. Alors, donc, Pokémon version GEM qui regroupe les 496 premiers Pokémon, soit avant la version Black and White, qui est une merde. Enfin, personnellement, je trouve, j'y ai joué, j'ai pas aimé. Il y a quoi d'autre? On retrouve pendant Kanto, Johto et Hoenn, qui n'est pas encore totalement fini, et une autre map qui n'est pas Sinnoh, une autre fait créée par leurs soins. En tout cas, j'ai pas encore joué. Ah, j'ai joué avant. Hein. Je vais pas faire le focus. C'est beau et tout. C'est bon, j'ai déjà vu comment sont les graphismes. C'est beau, effectivement. Alors, bon, mise à jour du 22 juin 2007, version 3.5 plus la présente des moyens. Hein. Alors oui, c'est pas la version finale du jeu. C'est sûrement la version La dernière version pour 2012, parce que c'est une version qui a demandé énormément de temps, mais c'est pas la version finale. Alors là, donc, dès que je vais cliquer sur Entrée, il va y avoir le site qui va s'ouvrir, mais je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, le forum et tout, vous irez voir, il y a plein, 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 plein de surprises que nous réserve ce jeu avec des centaines d'heures peut-être. Il est possible de passer un jeu mode plein d'écran avec alt entrée, je vais pas le faire. Je vais pas désactiver les sons non plus. Les notes du manuel, je les ai lues avant, vous inquiétez pas. Alors, niveau de difficulté. Facile, les Pokémon Mikao rapportent 10% sauvegarde. Ok, normal, donc plus ou moins normal, je pense. Ah non, au niveau des sauvegardes, c'est pas pareil. Difficile, Pokémon KO rapporte 10% de mon expérience. La sauvegarde n'est possible qu'avec des objets ou dans les centres Pokémon. Multi-exp est possible. Les Pokémon se vendent 10% moins cher. Mettons difficile. Allez. Attendez, attendez, attendez. Ah, non, non, je vais mettre un timer. Mais oui, je vais faire des épisodes de Perpète les Bains. On va mettre. Pas l'expression de merde. On va mettre 25 minutes, je pense que c'est bien. 25 minutes. Alors, Pokémon, les petits vêtements perdus quand il est KO. Ah, ça me ferait chier ça. Ça me ferait chier parce qu'entraîner un Pokémon pour qu'il meure. Puis c'est vrai que le jeu est super dur. Genre, le niveau de la difficulté est clairement augmenté. Écoutez, oui. On verra bien. Je vais pas vous faire un Nuzlocke challenge, mais c'est ça sans au niveau des compléments dans les pour chaque zone. Enfin, je vous mettrai une vidéo qui explique le Nuzlocke challenge dans la description. Voilà. Alors éclaircissement de la gorge. Bonjour, bienvenue dans le monde fabuleux des Pokémon. Je suis le professeur Shen. La nature de mon travail m'amène à côtoyer quotidiennement des Pokémon. Il m'arrive même d'en capturer à l'occasion. C'est d'ailleurs pourquoi tu viens me voir. Tu viens chercher ton premier Pokémon, n'est-ce pas? Avec lui, tu pourras réaliser ton rêve, celui de partir à l'aventure. Ouais, j'ai 14 ans. Youpi. 15 ans. Rejoins-moi vite à mon labo à Bourg-Palette. Je t'y attendrai. Oh, pardonne ce Pokémon, son dressage n'est pas encore terminé. Jusqu'à ce jour, près de 500 Pokémon ont été découverts, dont celui-ci. 486, pas précis. Mais venons-en au fait. Tu es un garçon ou une fille? Je suis une fille, connard. Quel est ton nom? Alors. D'habitude j'écris mon cap, mais là je vais faire un effort et tout, puisqu'il y a le jeu, il faut distinguer le jeu à la fin, ouais. Faire tout ça proprement, Spice. G. Wouhou. Non. Non. Voilà, Spice G. Je t'appelle donc Spice G. J'ai demandé à ton père et.
que toi et ton ami m'apportent le Pokémon que je lui ai prêté. N'oublie pas de venir me voir avec mon ami car j'ai à vous parler à tous les deux. Maintenant rejoins ce monde peuplé de mystères. Tiens, encore une phrase, il m'a niqué ma fin là-haut. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? À toi de le découvrir. Tadam. Ah, regardez, c'est pas tout mignon. Tout est refait. Ah, pareil que Pikachu, il se passe quoi? Ma peluche Pikachu. Que de souvenirs. Ah. Bon, lui je suppose que c'est mon papa. C'est le grand jour aujourd'hui. Je t'ai laissé le professeur Chen, le Pokémon du professeur Chen sur la table. N'oublie pas de lui rendre une fois son labo. Aussi, pense aller voir ton ami, il t'attend chez lui. Sa maison se trouve au sud de Safrenia. Son nom m'échappe, comment s'appelle-t-il? Ah, je sais. Alors, la dernière fois, monsieur s'était plaint que. Était déçu que ce ne soit pas lui dans la vidéo sur Alods Online. Je vais donc, mon cher ami, te nommer mon rival. Alors. Comme ça, je pourrais te prouver que même les plus faibles peuvent tuer ceux qui se prétendent être les hommes parfaits. Mon cher Archonte, ça me revient, si tu as perdu hein, la carte, ok. A plus tard, fiston. Au revoir, papa. Alors, hein, la cuisine, comme c'est coupé. Bon, ici. Quoi. Pokémon évolution mystérieuse et accouplement. Ah d'accord, ok, hein. Papa zoophile, ah ouais, t'inquiète. Et le Pokémon tu veux à peu près le professeur Chen pour que je puisse me rendre, putain j'espère que c'est quoi? Canard Tichot. Canard Tichot. Je sais pas si vous réalisez en fait. Vous voyez dans tous les Pokémon il y a toujours un Pokémon inutile. Ma carte chaude, c'est celui-là. Pokémon inutile. Entendu, je m'y rends. Cette nouvelle ne l'enchantera pas. C'est très probable, mais nous avons fait tout ce qui est notre pouvoir. Je repasserai te voir d'ici là, tâche de trouver comment l'attirer. Oh, papa, il parle des gens méchants. Alors, Spagy, le Pokémon, te plaît, c'est un carte chaude. Oh, cet homme, c'est un ami à moi. Allez, ne fais pas attendre Archon, tu le connais, il ne tient pas en place. Tu me montreras ton Pokémon quand tu l'auras choisi, d'accord? On se reverra bientôt. Alors. Donc, P pour courir. Alors, il l'avait dit où déjà? Au sud de Safrania. Ah oui, on commence à Safrania, pas pour Palette pour une fois. Pardon, monsieur. J'ai déjà essayé de prendre l'erreur sur le ticket, mais un contrôleur m'a mis dehors. Affaire. Alors. Trouve potion. Ok. High tech potion. Because c'est cool. Alors c'est je peux pas, c'est fermé. L'autre jour j'ai pêché un poissirette bas, à la première vue rien ne le distinguait d'un poissirette femelle. Bah écoute, c'est ta vie. Donc, je suppose que c'est la même que la mienne, la maison, hein. C'est maintenant que tu arrives, une minute de plus je partais sans toi. Bah ouais, mais ok, d'accord. J'ai mon père, il parle avec des gens, je joue dans la rue, tu crois que je peux faire quelque chose moi? Tu as le Pokémon de Prof Chen? Oui, je le laisse. Un carte chaud, trop cool. Hein. Bien, tu ne l'as pas oublié puisqu'il est dans sa Pokéball. Sa Pokéball. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Est-ce que je pourrais le voir? Un carte chaud, c'est pas un Pokémon. Ouais, je sais, j'ai réagi exactement pour la question que je t'ai dit. Prof Chen m'a dit de passer à la Juria où nous attend son assistant et le conduira jusqu'au professeur. Pour se rendre à la Juria, il suffit d'emprunter le chemin qui se trouve au nord de Safrania. Si tu es perdu, utilise la carte qui se trouve dans le menu. Allons-y, Spice. Archonte se joint à votre équipe. Cette musique signifie qu'une personne s'est jointe à vous. Ok. Et quand un dresseur se joint à vous, les réactions de certaines personnes changent. Je peux me changer. Ah, c'est pas mal. C'est arrivé, hein, quand même, les techniques. Écoutez. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Ce jeu nous réserve pas mal de surprises. Alors, le premier épisode qui est le début de présentation durera peut-être 25 minutes. Après, je réduirai à des épisodes de 15. Histoire que ce soit pas trop gros. Route 5. Oh, ce Pokémon sauvage semble agressif, tu vas devoir l'affronter. J'ai peur. Allez, va à sa rencontre. Allez. Hein, il vient vers nous. Il veut nous défier, ma parole. Le déroulement d'un combat de Pokémon est tout simple, des adversaires lancent l'attaque. C'est bon, je sais comment ça marche quand même. Faut pas me prendre pour un con non plus. Hein. Je suis pas très malin, je le sais, mais bon, voilà. Voilà. Oh, les décors, ils sont changés. C'est pas mal, tiens, ça fait un peu route. Un peu. Bon, cool, le sauvage apparaît. Tartichot, à toi.
artichaut. J'ai lu d'instinct comme ça. J'en suis même pas rendu compte. Artichaut. La tartiflette aussi. Bon alors, taillade, non. Fury, aéropic, sabotage, furie. Oh. One shot. One shot. Oh. Il y a juste 12 niveaux d'écart. One shot. OMG quoi. Tu vois, combattre un Pokémon est fort simple. Je diminue ses PV en attaquant pour le mettre KO ou le capturer avec une Pokéball quand il est faible. En le mettant au KO, tu accumuleras de l'expérience. C'est bon, je sais s'ils deviennent plus forts avec de l'expérience, je sais aussi. Voilà pour Malson, continue maintenant. Bah oui, d'accord. Le mec, il a le même âge que moi, il a pas un Pokémon non plus, il vient me faire chier. Ça va être la pension, ça. What, 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 what. Alors, bon. Oh. Je pense que je peux aller la chercher, de toute façon. Bon, écoutez, je vais pas aller la chercher. Je me souviendrai qu'elle est là. Et puis, je vais pas aller la chercher parce que on va garder les secrets à leurs endroits pour le moment. Hein? Alors, Azuria. Nous sommes à Azuria, c'est pas trop tôt. Il marche aussi vite que moi. Ma gueule. D'après ce que je sais, l'assistant du professionnel nous attend à la sortie ouest de la ville, donc de l'autre côté. Rejoignons-le sur la route 4. Petite tarte. Je sais pas. Non, je suis pas. C'est trop mignon. Fermé. Putain, il y a tout qui est fermé, on est dimanche ou quoi? Monde de chômeurs. Ouais, j'ai un faring. C'est vraiment pas mal, je kiffe le truc des Pokémon qui se déplacent comme ça. Je me suis passionné pour les vélos. Personne ne fut surpris quand j'ai ouvert un magasin à Azuria. Ok. Bon. Route 4. Voilà les deux garçons que j'attendais. Alors, vous n'êtes pas trop fatigués? Non. Prochain, je vous attends. Si accrochez-vous, je vais utiliser la technique vol. Oui, tapé. Alors, Bourg Palette. Enfin, vous voilà. Tout s'est bien passé, je m'excuse de vous avoir fait traverser toutes ces routes, mais j'aime remettre mes Pokémon en main propre. Particulièrement depuis ces raisonnements qui s'y passaient. Revenons-en à nos moutons. Vous êtes venu choisir l'un de mes Pokémon? Oui. Mais avant tout, je récupère mon canard artichaut. Oh, le jeu me vouvoie. Vous lui rendez canard artichaut. Sur cette table, je trouve trois Pokémon. Faites votre choix parmi un seul. Hein. Romuald. Et je l'ai renommé Arfonk. Bon, écoutez, je signale le bug. Professeur, j'en ai pas besoin. Ah oui, j'avais oublié. Dans ce cas, Spagé, c'est à toi seul de choisir. Pourquoi on n'a pas besoin de lui? Je sais pas. Tortipus. Non. Skitty en starter. Skitty. Oh bah non. C'est trop de la... Skitty. Salamèche. Salamèche. Oh oui, Salamèche. Oh oui, Salamèche. Oh, je prends toujours les Pokémon feu, mais je me dis que dès que je vais arriver sur Pierre, si je prends pas de Pokémon feu, je vais chier. Mais alors là, de ces bulles. Mais je vais chier les bulles carrées si j'arrive sur Pierre. Oh, j'ai envie de prendre Salamèche et de jouer comme ça en enjoy, mais. Oh, mais le truc, c'est que je... Oh, je vais me faire, mais... Je vais prendre tellement cher. Le jeu... En fait, la difficulté du jeu est vraiment augmentée. Et apparemment, surtout au niveau des dresseurs. Hein. C'est des vrais champions d'arène, en fait. Le truc, c'est que... J'ai peur que... Ça la mèche, quoi. Parce que réfléchis, il faudrait Jade. Papy Illusion, mais ouais, pour moi, faut que je pourrais trouver un Papy Illusion. Mais pour trouver un Papillusion, c'est chaud, quoi, vraiment. C'est vraiment chaud. Alors, est-ce que je prends Tortipus si je m'en trouve avec un Pokémon de type sol avec une défense hard? Ouais, je vais faire ça. Tortipus, je l'aime bien. Il a une bonne tête. Je vais faire ça. C'est vraiment mieux. Vous recevez votre premier Pokémon. Voulez-vous lui donner un nom? Non. Ok, hop. Tu as fait un bon choix, SPG. Vous savez sans doute que mon rêve est de découvrir toutes les espèces de Pokémon. Pour ce faire, j'ai créé le Pokédex. C'est une encyclopédie sur Pokémon. Tous les dresseurs qui sont venus en ont reçu un. Les données concernant les Pokémon sont cryptées et me sont envoyées. Mais t'es un flemmard en fait. Tu veux tout réunir et tu branles rien. C'est beau la technologie, hein. Ouais.
Donc là, mon Pokédex ne cesse d'être enrichi. Je vous donne chacun un Pokédex. Il va enregistrer. Alors, je sais pas du tout si vous entendez l'avion dehors. Je crève de chaud dans ma chambre, je suis obligé de garder la fenêtre ouverte et il y a l'avion qui passe, quoi. Maintenant, je vais enregistrer ton idée de dresseur. Numéro d'identification pour que ton Pokédex est le tien. D'accord. Voilà, c'est fait. Vous êtes enfin prêt à partir à l'aventure et la chasse au Pokémon. Space G, Archonte, je vous souhaite bonne chance. Pas si vite, évidemment. Il faut toujours qu'il te défie, lui. Tu casses les couilles, Archonte, hein. Bidou. J'aimerais t'affronter, ce sera notre premier combat en tant que dresseur Pokémon. Prépare-toi à combattre car le Pokémon que mon père a laissé au prof chaîne est plutôt costaud. Je pense que ça, c'était coupé. Je vais l'installer, typo, je le ferai. Je le ferai pour le prochain épisode. Débugant, il a. Comme ça, qu'un débugant. Tiens, c'est phénoménal ça. Tortipus, charge. Boom. Bon, écoutez, c'est du charge parce que je pense qu'il m'enlève un point de vie si je me mets à faire repli, ça va pas le faire. Oh, je sens que ça va finir en attaque spam. Ah. Ça va. Allez, spam entrée, c'est bien, c'est parti. Bon, par contre, il m'enlève toujours un et je vais mettre ses baffes. C'est bien, je pense que j'ai bien choisi. J'avais joué avant, j'étais tombé sur un Mystic Ram et je prenais quand même moins 4 de dégâts, il me semble, avec un débutant. Là, je perds que 1. Mais bon. Au crédit, Tortipus. Ah, Tortipus, il gère sa mère. Il gère à fougère. Faut vraiment que j'arrête de faire des blagues de merde. Tortipus monte au niveau 6. Tortipus monte au niveau 7. J'ai battu Rival Archonte. Bien joué, c'est ta première victoire. SpaceG remporte 1500 Pokédollars. La vache. Mais je l'avais bien, 1500 Pokédollars. Oh, bien joué, tu remportes ta première victoire et j'ai subi ma première défaite. Je pense que ce soit ma dernière. J'y vais, SpaceG, on se retrouvera. A plus tard et bonne chance. Archonte quitte votre équipe, cette musique vous le confirme. Moi, il y a intérêt à ce que ce soit ma seule. Je perds jamais parce que je perds mes Pokémon en fait. Oh, Bourpalette, comment ils l'ont fait? Oh non, c'est trop bien. Oh là là. Oh, le clin d'œil à l'animé, quoi. Oh là 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 là. Je sais pas si vous réalisez. Oh, je sais pas si vous voyez dans l'animé, pour ceux qui regardent. Le labo du professeur Jean est un peu plus loin que... Il s'en joue à 800. Le labo du professeur Chen est un peu plus loin que Bourpalette. Ils l'ont fait. Oh, c'est génial. Oh, c'est bien fait. Bourpalette est totalement modifié. Je m'occupe des Pokémon. En place de Jackie. Oh, c'est bien fait ça aussi. Là, je suppose que c'est la maison de la. De la soeur à Régis. Ma mère et moi attendons toujours qu'il. Oui, non, mais fais un truc de ta vie. Je sais pas, la tempête, il va pas revenir. Hein. Tant qu'il a pas battu Sacha, il lui reviendra pas. Oh, c'est beau. Ouais. Ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Oh, la nuit. Ah, coupure nette de c'est la nuit. Hein. Excusez-moi. Mal à la gorge. Alors. Oh, monsieur me parle. Bonjour. Je suis le fils du président de la Sylvsar. Ah, effectivement, t'es un gars important, toi. Étant donné que le réseau du centre de soins appartient à notre société, nous avons décidé de faire payer nos services. Ok. Par contre, si vous ne pouvez pas payer, les services sont toujours... Mais alors, je peux dire que j'ai jamais trick. Comprenez que si vous avez les moyens, en même temps que de redonner la pêche à tous vos Pokémon adorables, vous permettez à ce système de contribuer pour promulguer vos soins aux Pokémon affaiblis. Et puis entre nous, vous n'avez pas vraiment le choix. Oh là là, comment il me traite. Avancez-vous à faire des échanges, à défier les Pokémon à l'étage, aux étages, etc. Ou bien ce soit le centre Pokémon. Ok, ça peut toujours être utile. Oui, et une dernière chose, vous ne pouvez plus sauvegarder depuis le menu, mais nous avons mis un menu si vous nous sauvegardez dans les centres Pokémon. Et ce dernier est gratuit. C'est sur ces sages paroles que je vous quitte. Bonne journée. Alors déjà, je vais essayer de faire soigner Tortipus.
Je sais pas combien il m'a pris, j'ai spamé. Faudrait que je regarde combien ils me prennent en fonction des endroits, tiens. Je connaissais pas comme ça infirmière Joël, pas du tout. Ah, bon. Je suis aussi. Bonjour. Laissez-moi analyser vos Pokémon. Aucun Pokémon est KO. Aucun Pokémon à qui manque de points de vie. Aucun Pokémon sous l'effet du statut nocif. Le montant de votre facture, c'est des zéros. Ah, il me donne la facture. Je pense que les points ne servent à rien. Tu seras sans doute déçu lorsque tu chercheras des secrets alors. Ah, c'est quoi? Ok, le box. Et moi, je vais sauvegarder. Les connexions. Le menu, c'est échappe, c'est ça? Évidemment, je peux sauvegarder. Bon. Eh bien, écoutez. Allons-y pour les 10 petites minutes restantes. Alors, on avance, on avance, on avance, on avance. Ouais, bah oui, évidemment, qu'il y avait un peu mieux, enfin. J'explore un petit peu, hein. Combat. Oula. Piafabec. Piafabec, je sais pas si vous réalisez. Piafabec. Alors oui, donc vu que je me suis mis en hard, mais pas au Nuzlocke. Ah ouais, ça j'y avais pas pensé. Eh bien, je vais sûrement devoir faire des trucs de level up avant chaque arène, avant de partir à la recherche des dresseurs et tout. Parce que si je perds un Pokémon, bah, c'est la grosse dèche. Donc évidemment, si je perds tous mes Pokémon parce que je meurs, vous me verrez galérer. Reprendre des Pokémon et les re-entraîner. Dans ce cas, je ferai ça sur des level up accélérés par contre. Si jamais je perds pas, je filmerai pas les level up qui sont entre niveaux avant de chaque dresseur. Vous verrez vous-même. Je n'ai jamais affronté de dresseur. Excusez-moi. Lui, normalement, il donnait une potion. Gamin, Steven veut se battre. Cool, c'est bien un gamin. Le 3. Ah non, peut-être pas. Je suis quand même juste. Bon, ça va en fait. Non, je perds un point de vie, j'ai une défense pour les points, mais bon, ils peuvent rien faire. Par contre, j'explore un peu, je vais pas dash parce que je voulais vraiment découvrir les petits secrets du jeu. Il paraît que c'est. Il y a vraiment des trucs très bien pensés. Enfin, il y a des trucs qui ont changé, je veux voir, je suis un grand fan de Pokémon. Ça pourrait être vraiment de très 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 longues heures de jeu. Alors. Ratata ennemi est KO. Tantibus gagne 14 points d'expérience. Premier combat, première défaite. FPG remporte 100 Pokédollars. Ah, il y a des herbes qui ont changé. Alors oui, j'ai lu que dans ces herbes changées, il peut y avoir des Pokémon spéciaux. Donc, pas forcément shiny et tout, mais des Pokémon qui ne devraient pas être là. Par exemple, je sais que dans la forêt de Jade, on peut tomber sur des bulles bizarres. Par exemple, vous voyez. Alors, cela échoue. Charge, continue. Boum. Ratata est KO. 19 points. Alors, je commence à avoir mal à la gorge. Donc voilà, Tortipousse. Alors, on va essayer de tomber sur un Pokémon là. Alors voilà, on va voir s'il y a bien des Pokémon spéciaux. Alors c'est rare, hein, mais il y a plus de chance, ça doit être ça. Bon, charge. Faut que je trouve un moyen de commenter pour me dire. Ah non, les gars, enfin, tout le monde, hein, je suis pas de sexisme, non mais. Voilà. Non, je suis pas de sexisme. J'espère que vous allez bien. Que ceux qui passent le bac, eh bien, ils galèrent pas trop et ils se démerdent bien. Et que ceux qui passent le brevet comme moi dans une semaine révisent bien au lieu de jouer comme je le fais. Maladroit que je suis. Et bonne chance à ceux qui passent le brevet, bonne chance à ceux qui passent encore le bac. Alors. Coup critique. Ça fait du bien de pas parler de temps en temps. Les Rattata vous agressent. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les autres, les Rattata c'est les gros bâtards. Donc pareil que les Rattata, tu sais, c'est ceux qui ne vous laissent jamais partir. Fuite, non, fuite, non, fuite, non. Donc à la fin, bah tu le prends par la queue et tu le dégages. Non, il n'y a pas de double sens. Non,
Bon, alors un Kanratata, et là je suppose qu'il y a un dresseur. Je suis venu là parce que j'ai vu le. Sur le côté, du coup, je vais voir s'il n'y a pas des objets à récupérer, puisque vu comment je fais le truc en mode difficile et avec mes Pokémon qui disparaissent, j'ai bien peur que j'en ai besoin de ces objets, de l'argent aussi. Et j'ai vu des let's play de gens qui galéraient comme des sous-fifres, les pauvres. Que dirais-tu d'un petit entraînement? Bah écoute, vas-y. Qui galéraient vraiment, mais à fond, à fond, à fond, à fond, en mode difficile, et leurs Pokémon ne mourraient pas, alors ne mourraient pas, enfin n'étaient pas supprimés une fois qu'ils mouraient, alors j'imagine pas, moi là, pourquoi je me suis embarqué quoi. Donc bon. Tortipousse, à toi, que faire? Charge. Boum. Charge. Boum. Je suis vraiment trop fort. Je pense que j'ai bien fait de prendre Tortipousse parce que toi. Parce que Salamèche, Dracaufeu, je pense j'aurais vraiment la paille. Enfin là j'ai vraiment. Je suis allé sur la valeur sûre avec la défense. D'habitude je suis vraiment assez stratégique, mais là je. Enfin, j'aime bien bourriner un petit peu, mais avec un peu de stratégie. Mais là je pense que la défense va être vraiment à privilégier. Alors là il y a un recul. Ratata. Bah, on va faire le recul. Mais la petite cascade là, je suis sûr qu'il y a des objets en haut là. Tous les petits trucs qu'il va falloir aller découvrir. Charge. Alors j'enchaînerai peut-être après cette vidéo avec un épisode 2. Et je vous les uploaderai à la suite. On fera peut-être deux épisodes par semaine. Mais je ferai une pause entre les deux parce que j'ai vraiment besoin de voir. Oh Volvi, parfait. Alors Volvi, vous imaginez pas comment c'est utile, Volvi. Je vais me retrouver face à Pierre. Volvi, je vais les one shot. Hein. Ils vont dégager, mais bon, dégager, mais crash. Vous imaginez même pas, nous sommes membres du niveau là. Vas-y va. Tantibus, à toi. Volvi. Ah, et puis je vais pouvoir me régénérer un peu sans pression. Oh là là. Bon, là, hein, je fais ça et je récupère. Deux. Je récupère un point de vie, pas un point de vie. Faire charge. Voilà, ça c'est clé. Alors. La musique est bien, ça me fait vraiment l'esprit de Pokémon. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Il y a un Piaf à bec ici. Oh, il y a un œuf. Il y a un œuf. Il y a un œuf, faut que j'aille le chercher. Ouais, faudra que je fasse une peur. On va kill le Piaf à bec là. Piaf à bec sauvage apparaît. Tortipousse, fonce! Que faire? Charge, repli. Oh mon dieu. Charge! C'est super efficace. Putain, je prends grave cher là. Ouh là là. Ouf. Aïe 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 aïe. 15 points de vie, je suis à la moitié de mes points de vie. Charge. Oh. Vous imaginez pas le truc, hein. Franchement. Vous imaginez pas là. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai failli crever. Franchement, entre Rokul et Piaf à bec, je préfère Rokul parce que Piaf à bec, il a vraiment une tête, t'as l'impression qu'il va te faire chier, mais toute ta vie, il évolue en rapace de pique. Quand vous voyez la gueule du Pokémon, vous voyez le Pokémon méchant, sournois, qui a volé vos trucs dans vos poches et tout. Alors que non, j'ai déjà vu des animés Pokémon avec un rapace de pique hyper sympa quoi. Un œuf est entreposé là, le prendre, ah oui, l'œuf est ajouté à l'équipe. D'accord. On verra bien ce qu'il y a dedans, je pense qu'il faut marcher. Pokémon. Œuf. Résumé. Et ce qui va en sortir, ça va mettre du temps. Bon. Écoutez, je suppose qu'il faut marcher comme avec tous les œufs. Je voulais vraiment m'excuser pour cette tournée. Jadiel. Ah bah j'arrive à Jadiel. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais me soigner. Y'a quoi là?
Un jeu Pokémon. Sac. Je sais pas, aucune idée de ce que c'est. Alors je vais juste faire une petite config peut-être. Option. Au niveau du. Stopper l'horloge, non. Couleur Pokédex. Je vais garder. Je vais le mettre noir. Trop dark. Style de fenêtre. Ça change quoi? Enfin, c'est là. Pomme multi, là, basique, c'est bien. Ok. Alors, voilà. Bon. Alors, je vais soigner mes Pokémon. Je vais d'abord acheter des Pokéballs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Acheter. Des Pokéballs, déjà, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a le truc des 10 Pokéballs? Ça. Non, il n'y a pas. Eh bien, c'est pas grave. Potion, on va en acheter 4. Voilà. Ça fera l'affaire. J'en ai une cinquième dans le sac. À bientôt. Alors, j'ai pas la quête de devoir donner quelque chose à Professeur Chen, donc c'est pas plus mal. Hein. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, le train. C'est pas mal ça. Bon, je me rappelle qu'il y avait le train dans les Pokémon, mais qui disait qu'il ne marchait pas. Soigner vos Pokémon avec la nouvelle réglementation de soins, ça me coûtait 50 Poké-dollars. Bande d'escrocs, allez-y. Voilà, cette bande d'escrocs, je vous jure. Ça m'en aller au Pokémon sous forme de forme. A bientôt. Bon, les autres, je suppose qu'ils me disent la même chose. J'ai sauvegardé là? Ah oui. Ok, donc là, on sauvegarde avec ça. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sachez que c'est le début d'une grande aventure à mes côtés. J'espère que vous serez là pour me soutenir dans de nombreuses difficultés qui risquent d'arriver. Merci d'avoir regardé, bisous, amusez-vous bien et bon courage. Allez, ciao!